Si un itinéraire n'est pas déjà enregistré dans le système de navigation, vous pouvez entrer « Nouvelle destination » en touchant « Carte » dans la barre de lancement, puis « Destination ». Touchez un élément à l'écran pour définir la destination comme suit. L'adresse de votre domicile, si elle a été enregistrée, une adresse municipale, un point d'intérêt, tel qu'une station-service ou un restaurant, une destination précédente utilisée par le système, l'adresse de votre travail, si elle a été enregistrée, une entrée de votre carnet d'adresse, le centre-ville d'une ville donnée, une entrée des services Nissan Connect, le cas échéant, une intersection de deux rues, un emplacement trouvé à l'aide du numéro de téléphone, un itinéraire précédemment enregistré dans le système, un emplacement trouvé avec la fonction SXM Travel Link, le cas échéant, des points d'intérêt à proximité de la position actuelle sur la carte, ou définissez les coordonnées de latitude et de longitude pour un emplacement. Certaines options de destination nécessitent que vous saisissiez d'autres critères de recherche. Par exemple, appuyez sur la touche État ou province ou ville pour saisir de l'information à l'aide du clavier à l'écran. Une fois que vous avez saisi une partie du nom de l'État ou de la ville, vous pouvez toucher Liste, puis le nom à l'écran. Vous pouvez également entrer une destination à l'aide du système de reconnaissance vocale. Par exemple, appuyez sur le bouton Parler en haut du volant, puis dites Point d'intérêt, suivi du nom d'un point d'intérêt particulier. Une fois qu'une destination a été sélectionnée et en fonction de la méthode de recherche et des conditions, vous pouvez ajouter un point de cheminement sur la route vers la destination. Calculez l'itinéraire le plus rapide, un itinéraire économique ou l'itinéraire le plus court en termes de distance. Ou consultez la feuille de route. Touchez « Démarrer » pour commencer le guidage d'itinéraire. Pour modifier une destination après qu'elle a été définie, appuyez sur le bouton « Carte », touchez « Itinéraire », modifiez « Ajouter à l'itinéraire », ajoutez « Destination », puis sélectionnez une méthode de sélection de la destination, comme « Par carte ». Touchez l'écran pour déplacer le pointeur en croix vers la nouvelle destination, puis touchez « OK », puis « Ajouter à l'itinéraire ». Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.